Salut YouTube! Nous allons repartir sur Trackmania, c'est la deuxième fois que je joue à Trackmania en stream. Je suis content de retourner dessus, j'ai joué hier soir, c'était trop bien. Attendez, je vais en parler, je change juste le jeu, on n'est plus en discussion, on est sur Trackmania. Hop, Trackmania! Ah, cet écran de cinéma, ah c'est bien, c'est plus grand hein. Bon là l'image elle est moche, elle est pixelisée, mais quand on jouera à Scribble, ce sera beaucoup mieux, hein, Floppy. Donc voilà, why not. Bah écoute, c'est cool, je t'enverrai un message, chaton, et on verra tout ça pour Valorant. Battle, Fortnite, Scribble, tu veux pas le faire jeudi? Là, jeudi prochain. Quoi? Attends, je suis pas là jeudi prochain. Ah ouais, non. Ça m'arrange à moitié, Clara. Ça m'arrange à moitié, je t'avoue. Ouais, je vais sur un jeu bâtard. Alors, Kitan, tu niques ta mère et tu dégages du stream. Hop, Floppy, c'est ton pote, mais là, juste ça, il faut pas me chauffer. Hop, bannir. Je l'ai même pas banni temporairement, il dégage. Hop, voilà. Ne reviens plus jamais sur mon stream, ça ne vaut pas la peine. Tu n'en vaux pas la peine. Tu me connais pas. Ah, yes, petit ban pour commencer un stream, c'est sympa. Du coup, Trackmania. Ah ouais, les gosses sont de retour. Hein, attends, aucune politesse, c'est quoi ce mec? C'est quoi ce mec? Floppy, il me ramène pas tes potes si c'est pour ça, hein. Yes. Bon, pour ceux qui étaient là hier, qui n'étaient pas là hier, pardon. Trackmania, c'est un jeu de voiture, mais c'est pas comme tous les autres jeux de voiture. C'est un jeu d'arcade. Vous pouvez voir derrière un peu, derrière la voiture, un peu la map à quoi elle ressemble. C'est un jeu où les maps, on peut les créer, et donc, ça donne des maps très créatives et très originales. Le jeu est gratuit, il y a des versions payantes. C'est un jeu qui est très cool. J'ai connu ce jeu, je le répète, hein, vu que tout le monde n'était pas là. J'ai connu ce jeu grâce à ce très cher streamer Zerator. C'est lui, enfin je ne l'ai pas connu grâce à lui, mais c'est lui qui m'a donné l'envie de stream sur ce jeu, enfin de jouer à ce jeu tout simplement. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas, ben, je vous le conseille, Zerator. Gros streamer, hein, des plus grands en France. Et voilà, donc je pense qu'on a assez parlé et qu'on va aller jouer, puisque vous en dites. Je vous dis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit d'intéressant. Au mieux ne pas avoir beaucoup d'abonnés, mais gentil, avoir beaucoup d'abonnés, mais méchant. Effectivement, c'est ça, hein. C'est la qualité qui compte, pas le nombre. Mais c'est pas grave, Floppy. Franchement, c'est pas ta faute, Floppy. Y a pas de souci. C'est lui qui a dit n'importe quoi, hein. Enfin, je veux dire, moi, je vais jamais t'emmerder à cause de ça, hein. C'est lui qui a parlé, hein. Toi, t'as voulu être gentil, justement. T'as demandé à ton pote de venir, tu lui as parlé du stream et tout, c'est génial. C'est ultra positif, ce que t'as fait. Comme ça. C'est comme ça, hein. C'est dommage pour lui. Il pourra plus jamais parler dans le chat parce que je l'ai banni à vie, là, hein. Ban life, hein. Des ban life, là, hein. Il pourra plus jamais parler dans le chat, hein. Il le mérite pas. Mais t'inquiète pas pour toi, en tout cas. Ah, tranquille, Floppy, merci. Eh ouais, Ninirex. Eh ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit, Griot? Il devrait mieux trier tes amis qui conseillent. Ah, j'avais pas vu. Alors, c'est pas Trackmania Turbo, c'est Trackmania tout court. C'est le nouveau qui vient de sortir, il est sorti le 1er juillet. Eh ben, vous savez quoi? Hop, on va partir là. Monter un peu le son, je vais couper la musique, on va passer dans le jeu, il y a la musique du jeu. Hop, voilà. Je vérifie. Yes, alors! Trackmania 2020, tout simplement, pour ceux qui veulent jouer. C'est un jeu qui est gratuit, hein. Il est gratuit, mais il y a trois versions. Version gratuite, pour jouer en solo, faire les maps du solo, parce qu'il y a un mode solo, jouer en multi avec ses potes, il n'y a pas de souci. Il y a 25 nouvelles cartes par saison. Les saisons, je sais pas combien de temps elles font. Peut-être 2 mois, je pense. La version standard te permet... Ah oui, non. Dans la version de base, tu peux déjà créer des circuits, mais en mode simplifié, éditeur de circuits simples. La version standard... tu obtiens... Il y a trop d'infos. Tu obtiens l'éditeur avancé. Et tu peux faire jouer tes maps en ligne par des gens et tes potes. Et ça, c'est génial. Ok. Je connais même pas les prix. J'ai même pas checké les prix. Il me semble que c'est 10€. Je suis pas sûr. Et l'accès club, là, il te permet de rejoindre des clubs, donc des groupes. Donc, par exemple, moi, si je veux en créer un, vous pouvez me rejoindre. Et on jouera sur les maps que je vais créer, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'ai pas encore payé. Je suis toujours en pleine réflexion, est-ce que je vais beaucoup jouer au jeu ou pas.
Je pense que oui, et je pense que je me paierai soit de l'Accès Club, soit de Standard. J'ai envie de jouer aux maps, sur les maps de Zerator. Ça me plairait pas mal. Enfin bref. On va faire les... Oh, attends, est-ce que je ferais pas un petit entraînement directement plutôt? Regardez, par saison, nous avons 25 maps. Ça, c'est des niveaux de difficulté. Les couleurs blanc, vert, bleu, rouge, noir. Ok. J'ai déjà toutes les médailles d'or en blanc, toutes les médailles d'or en vert. Donc là, on va arriver dans les circuits un peu plus difficiles. D'accord? Donc je pense qu'on va d'abord... On va d'abord partir en entraînement. J'ai fait que le premier, je vais le refaire. Je rappelle un truc. Moi, je ne veux que des médailles d'or. Ok, il y a bronze, argent, or. Et la médaille hauteur. La médaille hauteur, il y a beaucoup d'infos. Hein. La médaille hauteur, c'est quand tu bats le meilleur temps de celui qui a créé la map. Donc quand c'est des maps du jeu, ça veut dire que tu bats le temps d'un des créateurs du jeu. Et ça, c'est génial. Donc on va faire vite fait quelques entraînements pour se mettre dedans. Ensuite, on ira faire les maps du summer. Excuse-moi, j'ai le seum. Bon, un pote, il est pas débile, mais il risque de venir très près. Bah, franchement, de toute façon, s'il vient et qu'il dit pas de conneries, il n'y a pas de souci. S'il dit une connerie, il dégage. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça sur mon stream. Hein. Moi, je suis gentil ou casse-bonbon? T'as un casse-bonbon gentil, toi, Titi. Faites des dons pour avoir Arc. Est-ce que j'ai passé 30 minutes pour avoir la médaille d'or sur la première course? 30 minutes sur la première? De toute façon, en stream, j'ai passé bien 30 minutes sur une des courses aussi, j'étais bloqué. Hein. Alors, c'est un jeu PC. Hein. Il est PC, mais je peux jouer manette. Mais je suis sur PC. J'ai la manette de Yusha. Merci, mon petit frère. Sa manette de mon frère. De toute façon, c'est un jeu qui s'apprend, hein. C'est doucement mais sûrement. Hein. Je joue à la chaîne en même temps. Profite, mon vieux. J'ai la Club Edition, mais j'ai les graphismes en bas, donc. Ah! Faites des dons pour voir Arc! Nunurex. Donc là, c'est mon entraînement. Donc c'est des circuits hyper simples. Hyper simples. De toute façon, j'ai déjà la médaille d'or. Vous savez quoi? On va même passer au circuit suivant. Merde, je suis plus dans le jeu. Hop. Voyez? C'est pour vraiment t'apprendre. Parce que dans ce jeu, il y a la route de base. Ah voilà, il y a la terre. Ici, c'est de la terre. Donc là, tu peux faire les dérapages, etc. C'est un jeu très chill qui me permet de pouvoir parler avec vous. Donc n'hésitez pas à parler. Franchement, le chat aujourd'hui, je vais grave le lire. Je le lis tout le temps, hein. En vrai, vous le savez, mais quand je joue à Resident Evil 7, par exemple, je donne focus des fois pendant très longtemps. Médaille d'argent. Donc là, les circuits, c'est des mini-circuits. J'en fais 2-3 en médaille d'or, of course. Ensuite, on va faire de vrais circuits qui là sont plus grands, plus intéressants, etc. Je joue à Trackmania là maintenant, tu m'as donné envie. C'est vrai? Trop cool. Celui-ci est gratuit sur PC. Ouais, il est gratuit. C'est Trackmania tout court. C'est le nouveau qui vient de sortir. Mais comme j'ai dit, il y a une version gratuite. Et il y a des versions payantes aussi. Mais quand tu découvres le jeu, tu veux jouer calme, etc. Il n'y a pas besoin de payer. Il y a assez de contenu. Attends, attends, attends. Ça va être chaud en fait. Je dois battre combien là? Je dois battre 7, 7 secondes 30. Ok. Et j'ai fait 7-5. Oh, ça va. Faut le faire rapidement. Et les gars, là, le jeu, je le découvre. Mais d'ici quelques temps, on pourra y jouer ensemble. Hein. Attends, j'ai pas été assez rapide, je suis trop bon. Oh, j'y étais presque. Moi, ce qui me ferait rêver, c'est que je puisse construire des terrains, des courses, et vous faire jouer dessus, et jouer avec moi. Oh, qu'est-ce que ce serait bien. Ce serait trop bien. Là, on pourrait rigoler, là. Donc, c'est un jeu de précision, vraiment. Vous avez vu, ça se joue des fois à des dixièmes de seconde, hein. C'est bon, j'ai la médaille d'or. Alors, c'est sur l'Epic Game Store. Mais... Oh, j'ai pas l'or. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis trop con. C'est sur l'Epic Game Store, mais il faut se connecter avec le Uplay. Le store Uplay. Et c'est un peu foireux, je t'avoue. Je me demande si on peut l'avoir juste sur le Uplay directement ou pas. Moi, je l'ai pris sur l'Epic Store, mais j'ai quand même dû me connecter au... Putain, mais... Alors, pour ceux qui connaissent pas, j'avoue, ce circuit n'est pas intéressant. Hein. C'est clairement de l'entraînement. Hein. C'est pas un circuit, ça. Hein. Je redis parce que... Ok. Je suis pas médaille d'or. J'y suis presque, à 3 dixièmes de seconde. Ah non, à 4... Ouh! Oh, putain! Ok, let's go. C'est pas l'annonce... J'ai pas compris l'annonce où tu parles des DLC. Hein? Oh non, rien, ça c'est une blague avec mon pote, ça. Il a commandé un écran chez LDLC, qui est un site d'informatique. Et son écran n'est toujours pas arrivé. Ça met trop de temps. Donc il a le seum. Hein, Nico?
Je suis sûr qu'il est là. Il est là, il regarde le stream. Il a le seum. C'est dur. Bon, après ça, on fait des vrais circuits parce que c'est pas drôle. Mais vous avez vu, pour avoir la médaille d'or? Dites-vous que je ralentis jamais, hein. Faut juste avoir la trace parfaite, en fait. Ah, il est là, Nico. Moi, je passe par Trackmania Planet. Tu peux l'avoir sur Uplay. Ah, bah, c'est ça. Bah, maintenant, moi, je le lance sur le Uplay aussi, hein. Le 6, c'est du roue libre. L'entraînement 6? Attends, 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 attends. Je vais pas y arriver. Qui a déjà joué à des Trackmania par le passé, sous d'anciens jeux? Pas spécialement sur le nouveau, du coup. Ah, là, je suis bon. Ah! Essaie au démarrage de partir déjà un peu à gauche, je pense, pour essayer de passer en ligne droite entre les deux virages. Tu me dis de partir plus à droite, alors, du coup. Ah, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je crois que je vois ce que tu veux dire. Là, il faut que je braque direct. C'est pas ça que tu voulais dire, mais je crois que là... Parce que la ligne droite, on peut pas la faire. Hein. Il y a fort longtemps. Ah donc, tu as quand même joué. Ah, et pour gagner de la vitesse. Ah. Si je drifte pas, je pars à droite. On va tout droit, on va tout droit, on va tout droit. Comme ça, là, on est plus rapide. Non, c'est chaud, hein. Baby Killer. L'alerte est très forte. Ah ben elle est alerte du coup aujourd'hui. La gueule. Gauche droite c'est dur. Attends. En vrai c'est chaud. C'est très chaud pour la médaille d'or. Ouais c'est dur hein Clara. Moi le turbo mais j'ai pas aimé. J'ai eu le turbo, il était gratuit sur PlayStation 4 aussi à l'époque. Merci pour ton follow, bienvenue. Tu joues à quel genre de jeu? Allez, c'est dur. Normalement... Normalement, je tryhard, hein. C'est ma règle, hein. J'ai pas regardé mon temps. Je suis pas loin. Alors, pour ceux qui connaissent pas le jeu, ils doivent vraiment se dire, mais... C'est quoi ce... Quel est l'objectif? Quel est ce jeu de ses morts? Là, je prends la vitesse à fond, non? Je crois qu'on va... Hein? On va changer de course, hein. Là, j'ai pas drifté. C'est chaud! C'est Kitan. Ah! Bah, c'est bien que tu le balances, hein. C'est quoi? On va voir. On va voir s'il parle ou pas. Mais Kitan, en tout cas, sache que, avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, t'es pas le bienvenu ici. Sache-le. Sache-le, sache-le. C'est pas comme ça que ça se passe chez moi. Ouh, j'ai battu mon record! Je vous promets, je vais bientôt changer. Oh yes, j'ai la médaille d'or! Yes! Je suis trop fort en fait. Je suis pas prêt moi si jamais il dit quelque chose. Je suis prêt. Oui, nickel. Nickel, Guerrio. Bien vu. Merci. Merci beaucoup, mec. Merci, mon Timodo. Oui, bah c'est lui. C'est ça, Rotor. Bon, on a la médaille d'or. On regarde le prochain entraînement quand même. On en fait encore un, puis on part sur de vrais circuits. D'accord. Black Endo. Comment vas-tu? Oh, c'est de la glace. Regardez la glace. Ça, c'est... Regardez mes roues. Là, ma voiture, elle glisse, en fait. Elle glisse, donc il faut trouver les bonnes trajectoires, et c'est pas toujours facile. Médaille d'or, en fait. Médaille d'or. Bon, eh ben, j'avais dit qu'on ne faisait pas plus d'entraînements. Il y en a plein, hein. Il y a 25 entraînements. C'est vraiment pour nous apprendre à jouer, en fait. Il y a tous les types de routes différentes, etc. Attendez, ma cam, elle est où, en fait? Ah, vous voyez pas l'image en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas important. Bah écoute, on peut le laisser. Peut-être qu'il regrette, hein. Les gens ont le droit à l'erreur, tu vois. On verra. On verra si il a fait une erreur ou pas. Tout simplement. Par exemple, ban si quelqu'un est ban.
Est-ce que les modos peuvent déban? Ouais, tout le monde, je peux déban n'importe qui. Et les modos aussi. De très 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 peu. Mais c'est ça ce jeu Ninirex. C'est toujours des timings de fou. Donc vous avez vu? Donc là, on est vraiment dans la playlist Summer 2020. Donc j'imagine que quand le mois d'août sera passé, mois de juillet et août seront passés, il y aura 25 nouvelles courses. J'imagine que ce sera tous les 2 mois. Je suis top 3264e en Belgique. Waouh. On va commencer les pistes bleues. J'ai aucune idée de la difficulté. Let's go. Le dos droit! Attendez, j'ai soif. Oula, elle met du temps à charger, dit. Elle est peut-être grande. Attendez, on va laisser la caméra pour voir un peu la course. Le jeu, elle est trop cool. C'est Vaninirex, t'aimes bien? Franchement, il est hyper agréable. C'est détente. Le jeu, les musiques sont cool. Le feeling, le gameplay est sympa. Et tu peux créer tes maps. Et quand moi, je vais me mettre à créer des maps, on va la jouer Zerator. Ça va être trop, trop bien. Ok, ça a l'air un peu spécial. Donc là, il y a un boost. Ralenti, d'accord. Oh, trop bien. Oh là là, oh là là, ok. Vous avez vu? Merde, attends. Ah, c'est bien Ninirex. Ouais, moi aussi j'ai un 480. Merde, j'ai touché le mur encore. Oh là là! Oh my god. Vous avez vu, c'est un autre genre de course, hein, là. Ça, c'est vraiment la course hyper vitesse tout le temps, quoi. Je me suis pris l'arrivée! Oh, c'est trop con! Une médaille d'argent. Oh là là! Oh, je pense que si je m'étais pas pris l'arrivée, j'avais la médaille d'or du premier coup. Enfin, pas du premier coup, du coup. Mais je pense que je pouvais l'avoir. Je crois de savoir qu'il est dit qu'il t'aime. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Jammer? Quoi? Chais. Non, pas chais. Envoie-moi de la force, Genesis. Faudrait que je fasse un emote force, un de ces quatre. Un truc pour que vous soyez gentil envers moi. Quand j'ai besoin d'aide. Enfin bon, vous pouvez envoyer des cœurs pour ça, normalement. Hein. Désolé, je loupe des messages, hein, mais cette course est trop bien. Je pars à droite, en fait. Oh merde! J'ai glissé sur mon joystick. Non, Genesis, c'est pas ça que j'ai demandé. Range-moi ça tout de suite. Je crois que j'ai débloqué un emote, je le vois de le coin de l'œil. Genesis! Attends. Espèce de taré. C'est pas ça que j'ai demandé. Les alertes fonctionnent! Merci, Genesis. Et tous ceux qui ont reçu un emote, dites-lui merci, hein. Oh! Médaille d'or! Ça, c'est grâce à ta force. J'en ai reçu un! Yeah! J'en ai pas eu. Chez à tout le monde. Non, c'est pas reparti comme hier, t'inquiète. L'emote des 50 followers. Comment ça, l'emote des 50 followers? Faire un emote pour les 50 premiers? Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Plutôt grâce qu'il a cogné le bord. Non! C'est pas vrai, Guerrio! En vrai, j'avais un bon temps, hein. L'arrivée, si je m'étais pas cogné, peut-être que je me serais pris le cercle de l'arrivée. Ça, c'est possible. Je suis dans le top 115 du Brabant Wallon. Bon. Circuit suivant. Let's go. C'est pas vrai qu'il y en a même moins qui reçoit pas. J'avoue, Clara, en vrai, t'as vraiment pas de chance, par contre. Sachez que là, il y a 10 personnes qui en ont reçu. Hein. Bon, c'est quoi comme type de circuit, ce coup-ci? Là, je crois que je dois tourner en haut. Vous avez vu, il y a des propulseurs sous mes roues, comme ça, je colle au plafond. J'étais pas prêt. On va quand même la continuer pour un petit peu la visiter. Attends, quoi? Hein? Ok, d'accord. Ok, on recommence. Cher Rotor.
Yeah, Genesis, t'as les deux! Oh putain, merde, j'ai paniqué. T'en as eu un, Seven Moon? Ah! Vous êtes sûr? Parce qu'il y en a vraiment 10 qui ont reçu, donc normalement, quasi tout le monde est censé en avoir eu, hein. Ouh, c'est pas facile. Là, ça va pas être facile non plus. It's hard? Non! Zerator, il dit qu'il n'y a pas de phare sur la voiture. On est d'accord qu'il y a des phares dessus. Regardez, ils éclairent devant. Zerator, il dit qu'il n'y a pas de phare sur la voiture. Mais Zerator, il est fou. Est-ce qu'il y en a qui regardent Zerator? Aussi. Ou est-ce que je suis le seul? Floppy, je sais qu'il regarde. Floppy, je sais. En vrai, je voulais voir mon pseudo. J'ai hésité à changer un truc. Que celui qui est noté en bas à gauche, c'est celui qui a donné le plus sur le stream, genre ce mois-ci, tu vois, par mois. Je vais par là, putain. Je suis allé dans l'herbe. Mais du coup, je sais pas si c'était une bonne idée, si c'était une baissée comme ça. Donc, là, j'ai rien changé. Je fais pas ce qu'il faut, hein. Je vous le dis, je fais vraiment pas ce qu'il faut, là. Et du coup, j'arrive plus lentement ici, on va pouvoir voir la suite. Et il est grand, circuit. Ah, je suis dans le sable. Quand t'es dans le sable, t'es lent. Aïe, aïe, aïe. Tant pis, on finit le circuit. Oh, ah, ce circuit, c'est mort. Vous avez vu ça ou quoi? Et là, c'est l'arrivée. Oh. Médaille d'argent. J'ai peut-être pas été si dégueu que ça, mais quand même. Hein. Ah ouais. Les gars, pour faire la médaille d'or, il me faut combien? 4 secondes en plus. Oui, je regarde Zera et avant... J'avais pas de phare. Et avant, il n'y avait pas de phare. Non, avant, il n'y avait pas, mais ici, même quand il y en avait, il disait qu'il n'y en avait pas. Alors qu'il y en avait, quoi. La tête que tu as quand t'es concentré. Ouais, je sais, mais attends, c'est normal, hein. Bon. En tout cas, sur ce jeu, je vais pas crier comme sur Resident Evil, hein. Où là, c'était l'horreur, quoi. Dimote pour les 50 premiers followers qui te suivent depuis le début. Mais je peux pas donner d'emote aux gens, hein. Donc je peux en créer une, mais pour avoir les emotes, il faut être sub, hein, quoi qu'il arrive, hein, Numerex. C'est même au VIP, je peux pas leur donner les emotes, on peut pas, Twitch ne veut pas. Et je ne sais pas, je verrai, parce que si je veux la faire, cette emote, je suis obligé de supprimer une de mes emotes. Pour l'instant, attendez, pour l'instant, sur mon stream, je ne peux avoir que 4 emotes. Si j'atteins 50 subs, je pourrais en avoir une cinquième. Ensuite, après ça, pour en avoir plus, il faudra être partenaire Twitch. Donc là, ça veut dire avoir 75 personnes qui me regardent en moyenne à chaque stream. Là, si vous vous rendez compte, hein. Truc de malade. Ok, là, je suis bon. Là, je freine. Petit drift. Ah, je suis allé dans le sable. J'ai ralenti, mais du coup j'esquive, c'est bien. Non, je suis quand même dans le sable. Au secours. J'ai quand même un peu de... Oh non, je suis tout droit. Mais non, mais ce circuit aussi. Franchement. On voit que mon pseudo, ça me va. Ouais, c'est vrai ça. Vous voulez voir la technique des dents de Batacha? Allez dans le général sur Discord. Oh, tu l'as envoyé. Mais envoie-le dans le clip. Rotor. Y a pas assez de gens. Ça, c'est dommage, y a pas assez de gens qui mettent les clips dans le channel clip sur Discord. C'est pas grave, hein. Mais c'est vrai que si vous voulez en partager un, mettez-le dans le channel clip. Je préfère. Parce que le général, comme on parle de tout et de rien, les vidéos, après, elles sont noyées dans le chat et on les voit plus. Tandis que dans le clip, si tu vas dedans, tu es sûr que tu verras que des clips. Eh, mais attends, je commence à maîtriser. Ouh, peut-être pas. Le focus, les gars, vous n'avez pas idée. Let's go. On prend là. Alors, je me rappelle plus trop comment ça se passe ici. Ah, oh, c'est l'arrivée. 48, est-ce que je suis... Non, je suis pas hors. Hein. Oh, je suis presque. Oh là là, c'est bon. La technique de Batacha. Merci, Rotor, c'est bien.
Si tu fais les maps de Zerator, tu vas lancer des manettes. Ouais, non, mais t'inquiète. Les maps de Zerator, je sais que c'est des maps de fou malade. Mais j'ai trop envie de les tester. Mais encore une fois, je découvre le jeu et je sais que je vais m'améliorer, c'est sûr. Parce que j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Ça se trouve, il va très vite me saouler. Mais comme je vois que vous êtes quand même pas mal à apprécier le jeu, et je sais qu'il y en a plusieurs qui vont s'y mettre, on pourra jouer en groupe aussi, et ça va me donner envie. Donc c'est chouette. Lichman. Aïe, aïe, aïe. Merci à Rotor pour tout ça, c'est bien. Tu vas lancer ta télé. Non. J'en ai 5606. Déchets gold. Allez, let's go. On va battre ce record, je veux la médaille d'or. Oh, ça rime. On va battre ce record, car je veux la médaille d'or. Igor Dezgor. Ah, j'avais tellement de vitesse, c'était génial, mais du coup, je me suis pété la gueule après. T'en as 22 000! Ouh, toi, tu vises des 50 000, toi. Hein? Genesis. Tu vises des 50 000. Est-ce que là, j'ai de l'avance ou pas? Ouais. On focus, on focus! Let's go. Merde, je voulais essayer de pas sauter pour pas perdre de vitesse. C'est raté. Et je crois pas que j'ai une médaille d'or là. Non. Mais on s'en rapproche, hein. Je suis plus qu'à 7 dixièmes de seconde. Le dos droit. 47K, le compliment arrive. Pas pour toi. Non. Est-ce que je peux enlever des chez Gold ou pas aux gens? Je rigole. Hein, de quoi tu parles? Ouais, ouais, c'est ça. Des maps de fou malade. Dicton Batacha 2020. Bah, c'est bien. Et c'est plus qu'un compliment. En fait, le compliment à 50K, en fait, juste, je considère que si t'arrives à économiser 50 000 chez Gold sur mon stream, ça veut dire que tu passes du temps sur mon stream. Et en règle générale, si tu passes du temps sur mon screen, ça veut dire que je te connais un minimum. Et en gros, quand tu payes pour ce compliment, c'est plus qu'un compliment vu que je vais juste te dire ce que je pense de toi. Et en règle générale, ce sera des compliments parce que si tu restes sur mon stream, c'est que tu es quelqu'un de sympa. Après, si t'es un connard et tu payes les 50K, mais t'es un connard, je te dirais bon, t'as les 50K, mais t'es quand même un peu un connard. Mais bon, encore une fois, pour l'instant, personne qui arrive à avoir les 50K ne sont des connards. Donc, pas de soucis. J'aurais été de dire de la merde. Attends que ce soit moi qui te fais des maps, personne n'arrivera à battre mon record. Guerrio, toi, je sens que tu serais un gros fourbe, hein, toi. Toi, tu ferais des maps d'enfoiré, hein. Je le sais, hein. Pas pour le compliment, mais pour enchaîner les golems. C'est pas mal aussi, ça. Bon, allez, les gars, let's go. C'est pas mal, ça. C'est vrai que Gollum, comme ça coûte cher, les gens le font un peu moins, hein. Ils ont peur, hein, de claquer leur argent. Et je comprends. Je comprends. J'ai perdu là. Aïe! On recommence. Il m'a dit que je suis un connard. J'ai dit ça. Je suis un connard qui paye 50K avec plaisir. Oh, attends que c'est avec plaisir. Ah oui, c'est vrai, Clara, putain, dans les bans, quoi. Mais ouais, mais en même temps, quelle idée. Attendez, attendez. Quelle idée aussi de se faire bannir. Floppy, hier, il a payé pour se faire ban. Et quand il a voulu revenir, Twitch buguait, donc il n'a pas pu revenir. C'est quand même la tristesse, hein. Pas fou. Pas fou, pas fou. Par contre, là, j'ai pas mal de vitesse. On ralentit, comme ça, je peux prendre le tournant de ouf. Nice. On a gagné du temps ici. Ah, il a payé pour un ban. Rotor. D'ailleurs, j'ai déjà entendu ce que tu pensais de moi quand j'étais ban, hein. Hein, on se rappelle. Quoi? Hein? Je vois pas du tout de...
quoi tu parles, Kara? Vraiment, je... Pourtant, j'ai une bonne mémoire, hein, mais je... Bon, attends. Technique pour le gollum, tu fais un don et tu demandes. ça mérite réflexion, ouais. Bon, c'est dur, hein. Ok. Non, presque quand même, ça va, ça va, ça va. Ok, cette fois je me casse pas la gueule, je vais pas trop dans le sable. Focus, 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 focus. C'est quoi Hocus Pocus? Ça vient d'un truc, ça. Ça vient d'un truc. Hocus Pocus. Mais de quoi? Médaille d'or! La médaille d'or! Oui! Top 141, Brabant Wallon. Attendez, en fait, je veux voir ma run. Je veux voir la course. Dégage! Quand on bouge pas. Oh, le replay, triangle. Ah putain, je suis con. C'est vraiment. Le feeling est vraiment agréable. Les gars, je vous jure. C'est pas un jeu de voiture comme les autres. Si, c'est un jeu de voiture, mais ça n'a rien à voir avec les autres jeux. C'est un jeu vraiment de trajectoire de fou. Enfin, tous les jeux de voiture sont des jeux de trajectoire, mais. Il y a un feeling quand tu joues, c'est agréable. Et puis le fait que les maps, ce sont des maps que toi-même tu peux recréer si tu veux et tout changer. Enfin, c'est super agréable, c'est très cool. En vrai, il est vraiment bien. Il est vraiment cool. Il est mieux que le jeu que j'avais testé, le Turbo à l'époque. Salut Pizza, comment vas-tu? C'est pas de l'argent, c'est du temps, le grand philosophe français, Max. Remplace Gollum par un accent japonais. Je sais pas faire l'accent japonais. C'est quoi l'accent japonais? Tiens, tu as mis ce que je voulais mettre comme temps. Hein? Un pour le ban. Quel goût il a le sapin du coup. J'ai lu ta phrase tout à l'heure et je comprenais pas. Tu parles du sapin que je me suis pris là il y a quelques minutes? Genesis, ça m'a. Pas bien. Gollum avec un accent japonais. Mon compliment ce sera. Tu es bugué. What the fuck? C'est pas Mary Poppins ou même un chanteur? C'est quoi Hocus Pocus? Hocus Pocus, on dirait vraiment une. C'est un film de 1993. T'as été vérifié? Ah oui, ouais, moi je pensais peut-être aussi à Merlin. Donc c'est un film alors, Hocus Pocus. Hocus Pocus. On va dans quand même, moi. Est-ce qu'on a des fans d'Harry Potter dans le chat? C'est une question que je me pose là. Question existentielle. Existentielle. Yeah, regardez! Ah, c'est quand même beau les médailles d'or, hein. Je rappelle qu'il existe une quatrième médaille. Ok? Donc bronze, argent, or. Et quand tu débloques. Ah oui, si, au-dessus de or, c'est la médaille auteur, comme un auteur de bande dessinée. Sauf que là, c'est l'auteur de la map. Celui qui a créé la map. Et là, ce sont des maps créées par les créateurs du jeu. Quand tu bats la médaille auteur, ça veut dire que tu as battu le temps du mec qui a créé la map. Et ça, c'est quand même agréable. Hein? Quand même agréable. Alishman, on peut pas envoyer des liens sur mon stream, sauf les liens de clips. Sécurité, sinon les gens ils vont envoyer des sites avec des zizi énormes là. J'ai pas trop envie de ça, tu vois. Sécurité. Sécurité. T'es sur le Discord ou pas, Alishman? Je pense pas, je sais plus. Sur le Discord. Vive Harry Potter, c'est bien. Hein. Je suis un ancien fan d'Harry Potter et ma soeur m'a gavé, donc j'en ai un peu marre. Ah, les fans d'Harry Potter sont hardcore, hein. Moi y compris. Avant, j'ai trop regardé Harry Potter, trop lu les livres, trop écouté, enfin bref. Pourquoi Georges le bot est le seul bot qui sait te répondre? Parce que Georges le bot, c'est le meilleur bot. Hein, Georges? Oui. Je suis arrivé un peu en retard, t'as annoncé quoi du coup? Ah, salut, CRFC. J'ai parlé. Bah, attends, tu sais quoi? YouTube? Au revoir! Hein, on enchaînera. Hein, on fera peut-être ces trois-là dans la prochaine VOD. Sauf si je bloque dessus. Salut YouTube.